Salut tous, c'est Univé dans une toute nouvelle vidéo. Et après avoir eu une Lamborghini, une voiture du futur et une Bugatti, aujourd'hui on va essayer de dénicher encore une fois des voitures de luxe. Donc je rappelle que je suis dénicheur de voitures de luxe et dépanneur. Donc c'est parti les gars, ma secrétaire m'a prévu un très bon endroit où il y a pas mal de voitures un peu abandonnées. Donc on va voir ce qu'on va trouver. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, let's go. Ok, c'est parti, je suis dans le garage. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit like, à vous abonner. Et on est avec la Lamborghini et la du coup Bugatti qu'on avait trouvé avant. Et on a également là-bas la voiture du futur pour ceux qui se souviennent. Et bah écoutez, j'ai envie de dire c'est parti, ma secrétaire nous a trouvé un petit endroit. Donc c'est à peu près vers là. En tout cas, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bah quel... C'est ici à peu près le quartier, voilà, c'est le quartier là. On a fait pas mal de quartiers en tout, ouais, on a fait quand même pas mal de quartiers. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle voiture vous voulez que je trouve la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. On m'avait demandé Bugatti, il y en a qui m'ont demandé des Formule 1, il y a pas mal de trucs. Alors c'est parti, on a un boulot. Ok, on a une voiture en panne. Oh, ça va, elle est à côté. 500 mètres, parce que d'habitude ils nous les mettent quand même assez loin. Donc là, ça va, là, 500 mètres, on est juste à côté. Je rappelle qu'on est dénicheur de voitures de luxe. Mais toujours, les gars, nous, au début, on se fait une petite mission. On voit ce qu'il en est, parce que des fois, même en faisant des missions, on peut avoir des trucs sympathiques. Oh! Ah ouais, pas mal quand même la voiture qu'on a. Laissez le propriétaire monter dans le véhicule. Vas-y, montre mon frère, montre. Oh, il est baraque et tout en plus. Le gars, il est à poil, au calme, normal. Allez. Fixer le crochet de la dépanneuse au véhicule en panne. C'est quand même un beau véhicule qu'on a là. Regardez-moi ça, les gars. C'est un beau véhicule. Hop, on remonte le truc. Ah ouais, c'est stylé. J'ai toujours kiffé vouloir faire ça, les gars. Je sais pas si dans la vraie vie, il y en a qui ont des parents dépanneurs ou quoi. Mais c'est stylé. Oh là là, comme par hasard, il y a le train qui passe, quoi. À chaque fois, ça me le fait le coup, là. Alors par contre, ça, j'aimerais bien, tu vois. Genre un véhicule avec un bateau à dépanner, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien dépanner ce genre de véhicule. Et pourquoi pas, dans le futur, on peut avoir des bateaux de luxe, les gars. Avoir dans le futur, donc n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire quel véhicule vous voulez pour le prochain épisode. Oh, bonsoir. Ça vend des voitures ou quoi sur le côté? En tout cas, celui-là, il nous pose pas trop de problèmes. Il dérive pas dans tous les sens. Et c'est parti, on va livrer le véhicule Auto Repair. Ouais, parce que c'est mon garage où je dépose les véhicules. Mais j'ai aussi mon garage Omega. Hop les. On est reparti, alors on va aller dans le quartier cette fois-ci, les gars. Bon, on est juste à côté en fait. On est juste à côté. C'est à peu près vers là, les gars, on va aller voir ce qu'il en est. Mais vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'on va trouver là-bas. Elle m'a dit que normalement il y avait pas mal de trucs. Il y avait quelqu'un qui avait repéré des grosses voitures de luxe, voilà, clairement des grosses voitures de luxe. Ok les gars, du coup on arrive dans le quartier. Alors c'est ici apparemment, c'est ici. Attendez, je sais plus vous donner la tête. Ouais, ils vont me laisser tranquille un peu, hein. Laissez-moi tranquille, là je suis en train de trouver des voitures de luxe moi. Ah, peut-être dans le garage là les gars. Dans le garage là, il peut peut-être avoir des choses. Ouh, les shit, c'est quoi ça les gars? Oh my god, c'est quoi ça? Ok, je vais descendre. Alors, il y a un truc abandonné ici. En plein milieu de ce champ de vignes. Ça, c'est le gars qui a toutes ses vignes. Les gars. Ah ouais. What is this shit? Oh my god. C'est une Ferrari. C'est une Ferrari, les gars. Non, attendez. Non, mais je ne rêve pas. Regardez-moi, si c'est Ferrari, les gars. Il y a le logo Ferrari et tout. Par contre, elle est vraiment dégomme de tous les côtés. Par contre, ça va. Le réparateur, il aura pas trop à réparer le pare-choc. Parce que c'est vrai que le pare-choc devant reste quand même pas mal intact. Même si bon, il est quand même pas mal dégomme. Oh là là, le logo Ferrari, elle est magnifique. L'intérieur, il est. Ouais, c'est une Ferrari, les gars. C'est quoi? C'est une 480 quoi? Oh, c'est une 488 Spider. Oh là là, incroyable. Le derrière. Oh, bah, le derrière, comme il est. Le derrière est quand même pas mal amoché. Non mais les gars, après avoir trouvé une Lamborghini et tout, on a une Ferrari. Il manquait plus que ça. On avait que des voitures de luxe là. Eh bien, on trouve une Ferrari abandonnée. Bah écoutez, maintenant est-ce qu'on peut la prendre? C'est ça la question. À chaque fois, il faut savoir si on peut la prendre. Est-ce qu'on peut ou non prendre cette Ferrari abandonnée? Attention. Ici, c'est en train de répondre. Non, je ne réponds pas. Je viens de trouver. Oh là là, une féfé les gars. Une féfé. On descend le truc. Et. Oh oui! J'ai pas envie de bosser, mon gars. Je viens de trouver une Ferrari, gros.
Et au même moment, voilà, elle s'est raccrochée, les gars. Elle s'est raccrochée. Le problème, c'est qu'en fait, faut pas trop que je la. Voilà, faut pas trop que je la fasse galérer. C'est la galère ici, les gars. C'est vraiment la galère. Oh, regardez-moi ce que j'ai derrière moi, quand même. J'ai une Féfé, les gars. J'ai une Ferrari. Et il y a tout le monde qui est en train de me regarder. Bonsoir. Oui, c'est bien une Ferrari que vous voyez derrière vous. Eh bien, écoutez, on va aller la ramener à Michel, si vous pouvez nous la réparer ou non. Oh là là, elle tourne plutôt bizarre. Hein. Elle tourne plutôt bizarre, cette voiture, les gars. Bon, c'est parti, les gars. On va aller au custom. Let's go. Ok, les gars, j'arrive actuellement au custom. Mais qu'est-ce qu'il me veut laisser? Laissez-moi vivre, en fait. Oh là 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 là, les gars. C'est parti. Let's go. Il est en train de quitter à l'écoute. Personne n'est à l'écoute, mec. Et on va tout simplement... Bah, vous savez quoi? Je vais la déposer ici. Voilà. Et on va la rentrer... Je vais garer mon truc là, comme d'hab, les gars, comme d'habitude, comme d'habitude. Je veux dire, comme d'habitude. On va voir ce qu'il en est, on va voir ce qu'il en est. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette beauté. C'est magnifique, j'ai hâte de voir comment elle sera, quand elle sera custom, les gars. Bon, là, actuellement, elle est rouge, mais j'ai bien envie de voir comment ça donne si je la modifie. Alors, c'est parti, les gars, du coup, on va rentrer au laisse custom. A tout de suite, on va voir ce qu'il en est. Oh my god, regardez-moi cette beauté incroyable. C'est parti, allez, blindage à fond. Elle est trop belle, elle est trop belle. Regardez ce que je viens de trouver, les gars. C'est la 480 piste. J'ai regardé, je crois que les gars, il y a une option en plus. Je crois qu'elle est décapotable, on va voir ça tout de suite. Oh là 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 là, klaxon, on met à fond. Éclairage, kit néon, phare xénon, kit néon, support néon, on met couleur, on va mettre rouge. Je pense que je vais la laisser en rouge. Elle est trop belle comme ça, elle est beaucoup trop belle en rouge. Plaque. Oh, il y a pas mal de trucs stylés. Je pense que plaque, on va rester sur du blanc. Ouais. Alors peinture. Ah ouais, il y a des motifs. What? Attends. Il y a des motifs, les gars. Ah ouais, on peut la mettre comme ça, comme ça. Comme ça, non, c'est dégueulasse, dégueulasse. Oh shit, attendez. Là, si. J'hésite à la mettre en rouge, j'hésite à la... Je sais pas. Si je la mets comme ça... Oh, elle est trop belle aussi comme ça. Elle est belle aussi comme ça, les gars. Les gars, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que... Vous savez quoi? Pour pas regretter dans les commentaires, dites-moi rouge ou blanc. Je vais la mettre en blanc comme ça. Et... je sais pas. Non, j'aime bien aussi comme ça. Par défaut, c'est ça, hein. Après, c'est vrai que Ferrari, les gars, c'est rouge. Vous savez quoi? Pour la vidéo, on la met en rouge parce que c'est une Ferrari. Mais pourquoi pas plus tard, si jamais ça vous plaît, dans la prochaine vidéo où du coup je trouverai une autre voiture abandonnée, je la mettrai en une autre couleur. Enfin, je la mettrai en blanc. Alors, suspension compétition, transmission de course, turbo, on met roue, c'est sport et en jante de série. Ouais, voilà, ça change pas. Ensuite, couleur des jantes, non, pneu, on s'en fout. On peut mettre la pneu à l'épreuve des balles. Fumée de pneu, on va mettre du rouge. Ok, vitre, forcément les gars, vitre. Oh, coco, non, non. On va mettre un petit peu, fumer un peu, voilà, fumer, pas non plus fumer, mais genre, comme ça c'est bien, je pense. Voilà, ok, eh bien c'est fini, merci Michel pour la customisation. Oh là là, regardez-moi ça, s'il vous plaît, ce que je viens de trouver en véhicule abandonné. Une Ferrari, mais attention, est-ce qu'elle est décapotable? Parce que je crois que j'ai regardé sur internet, elle est décapotable. Oh là là, non, mais c'est trop. Non, c'est trop. C'est incroyable. C'est génial, c'est mon jeu génial. Oh là 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 là. Elle est trop belle. Je vais mettre en première personne pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Ouais, c'est la 488 Pista en fait. Regardez-moi cet intérieur, s'il vous plaît. Il y a même le compteur qui marche et tout. Je vais foncer à fond. Ok, je vais rouler à fond, les gars. Je vais foncer. Elle va beaucoup trop vite. Je suis déjà de 150. Ah ouais, non, mais c'est trop, là. Écoutez ce bruit. On passe juste à côté du garage, les gars. On va quand même tester un peu la vitesse sur l'autoroute. Parce qu'on a quand même une Ferrari. Mais le bruit... Je vous laisse écouter le bruit. Écoutez le bruit. Ok, les gars, let's go. Je suis sur l'autoroute. Wouhou. Ah ouais, 270, les gars, faut qu'on la pousse à 300, les gars, 300, 310.
Aïe 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 aïe, ça va être compliqué de la pousser encore plus. C'est chaud de la gérer 330. Non, non, non. Ah, on va tester l'autre côté, les gars. On va tester l'autre côté. Il y a moyen de la pousser. Je pense qu'il y a moyen de la pousser, les gars. Wouah, je suis à 330, les gars. Allez, va plus vite, va plus vite, va plus vite. 341, 342, 350, 355, 365. Allez, allez, vas-y, fonce, 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 fonce. 360. Non, mais c'est trop. En plus, les gars, elle est incroyable. Les gars, elle est juste incroyable. Et en plus de ça, elle bombarde. Voilà, elle bombarde. Elle est magnifique. Elle est magnifique, je le dis. Elle est magnifique. Pour l'instant, je sais pas c'est lesquelles votre préférée dans les commentaires. Dites-moi entre la Lambo, la Ferrari, la voiture du Kima du futur et la, et bah, la petite voiture de police Bugatti. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, c'est laquelle la meilleure, hein. Pour moi, je pense que la Ferrari est quand même pas mal aussi. Mais... étant fan de Lamborghini, je reste quand même... C'est vrai que c'est quand même Lamborghini, les gars. Entre les trois là, et plus la voiture là-bas, je rappelle parce que c'est comme... j'ai quand même aussi la voiture là-bas. Pour ma part, je pense que la Lambo reste quand même belle. Du coup, je vais la garer à côté. Par contre, je risque de plus avoir de place dans ce garage, les gars. Il va falloir que j'investisse dans un autre garage. Peut-être que après, j'achèterai un garage de luxe. Hein. Parce que voilà, pour l'instant, voilà, on a quand même pas mal de voitures. On va la garer, hop, voilà, la petite Ferrari qui s'ajoute à la collection. On a une Ferrari, on a une Bugatti, on a une Lamborghini. Dans les commentaires, dites-moi quel véhicule vous voulez que je chope la prochaine fois. En tout cas, pour l'instant, je suis assez satisfait, voilà, je le dis, je suis assez satisfait parce que regardez-moi ces beautés qu'on a là. Pour moi, la Ferrari, elle est quand même belle aussi, hein. Elle rivalise, hein. Elle rivalise avec les autres. Hein. La Lambo aussi, elle est pas mal. Après, honnêtement, c'est à vous de me dire dans les commentaires quel prochain véhicule vous voulez que je prenne. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit like et surtout, activer la cloche pour recevoir les notifications parce que, croyez-moi, on va avoir pas mal d'autres véhicules dans le futur. Dites-nous dans les commentaires. Sur ce, on s'assied là-dessus. C'était, je trouve, une Ferrari abandonnée. Ciao tout le monde.